remarquablement le quatrième set. Il en veut, au même titre que Henry. Les deux joueurs sont déterminés, décidés à remporter ce match. D'où la qualité de la confrontation, beaucoup de points gagnants, beaucoup d'assauts qui se soldent par des résultats positifs. Et c'est ça le tennis le plus spectaculaire, celui que tout le monde aime. Ah, breuvage un peu sucré pour Monsieur Becker. Un petit peu de sucre, oui. Il a besoin d'un petit coup de fouet. Du coup d'avant. Aïe, 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 quel point. Mais Boris s'est battu sur les deux balles. On va le revoir. Henri Lecomte a eu à deux reprises la possibilité de conclure. Ici, normal. Et une deuxième fois. C'est vrai que c'est un drôle de battant, Boris Becker. Et là, il commence à y croire. 0-15. Quarante-trente.
vous avez reconnu Yann Tyriac. Balle de 7 pour Boris Becker sur cette double faute d'Henri Leconte. C'était pas forcément le bon moment de tenter un ace sur la deuxième balle. Mais enfin, il l'a cherché. S'il avait été bon, on s'en serait tous exclamés. Et bien voilà, 7 jeux à 5. 2-7 partout. Ça récompense finalement le courage de Boris Becker et puis aussi les spectateurs, vous le disiez Jean-Paul, qui ont attendu avec beaucoup de patience sous la pluie. Et ils sont récompensés parce qu'ils assistent à un match exceptionnel. Becker, le comte du grand tennis à l'image de ce coup droit de Boris Becker et d'un Henri Leconte qui se relève. Car maintenant il va falloir attaquer un cinquième set après 3h12 de jeu. Un match qui a été interrompu à deux reprises. S'il vous plaît, les joueurs sont prêts, ne circulez pas. Je vous remercie. Ne circulez pas, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Il y avait beaucoup d'effets sur cette balle d'Henri Leconte. Ça ne se voyait pas très bien, mais je ne sais pas si vous avez entendu. Il a boisé en bas de la raquette et en haut de la raquette, ce qui a fait que beaucoup d'effets a été imprimé à la balle. Et on peut comprendre que Boris Becker était un peu surpris au rebond. Cette balle est faute, mais Becker a regardé la marque précédente, celle d'Henri Leconte. Mais ça n'a pas été signalé, il la voyait faute. Il n'a pas contesté, Boris. Trois balles de break, Henri Leconte.
Radar a sifflé deux fois. Et deux fois, ça fait double faute. Et break donc pour Henri Lecomte. On dit généralement que servir le premier dans un cinquième set, c'est un avantage, Jean-Paul. Eh bien là, Henri Lecomte semble prouver le contraire. C'est un avantage, mais on oublie quelquefois quand même que lorsqu'on vient de faire un forcing aussi extraordinaire que celui que Boris Becker a fait pour remporter le quatrième set, il y a un petit moment de décompression. On a besoin de se récupérer un petit peu pour mieux repartir à l'assaut. Et là, malheureusement, ce début de cinquième set, il ne fallait pas céder le moindre pouce. Boris Becker a un tout petit peu moins bien servi. Henri en a profité. Il aurait d'ailleurs déjà dû en profiter à 40-0 pour lui sur Absolument. La deuxième balle de Becker. Il a retourné dans le bas du filet, mais enfin, celui-ci étant revenu à 40-30, lui a 30-40, pardon, lui a fait un cadeau, tant mieux. Et c'est quand même, en début de cinquième set, une avance maintenant très considérable pour Henri que d'avoir ce break dans la poche. Il faut qu'il essaye de le conserver. Corde cassée pour Henri sur cette frappe de service très violente. Il vaut mieux que cela intervienne sur une balle de service, faute que à la limite sur une balle de service qui est bonne, car jouer derrière avec des cordes cassées, ça n'est jamais simple pour contrôler la balle. Il lui reste donc une deuxième balle à jouer. Henri Lecomte dans ce cinquième set. Il faut respirer un grand coup.
Quel coup de tonnerre encore. Il attend un peu ce coup droit des croisés. Docteur Cousteau, médecin des équipes de France et du tournoi de Roland-Garros pour ceux qui sont des joueurs. Le monsieur qui a un appareil dans la main gauche. Et Pierre Darmon, juste derrière. Le contre-maître par le jeu de main. Bon jeu de service de Boris Becker. Il va changer de raquette, très probablement. Et la bataille de la cinquième manche va maintenant réellement commencer. Information importante, Jean-Paul, le match qui était prévu tout de suite après entre Ivan Lendl et McEnroe, eh bien, se jouera demain. C'est bien, c'est une bonne décision, ouais. Je pense, car il est quand même assez tard. Il fait relativement frais sur le central de Roland-Garros. Et si ce match dure encore une heure, faire commencer deux champions pour un tour aussi important que ce huitième de finale entre Lendl et McEnroe, serait dommage. C'est donc une excellente décision de la part du comité du tournoi. Ah, ce sont les spectateurs qui sont venus ici qui seront certainement déçus, mais ils assistent tout de même à un match formidable entre Henri Lecomte et Boris Becker, alors que Gabriella Sabatini, qui était prévue également sur le central tout de suite après McEnroe et Lendl, son match a été déplacé sur le court numéro 11 et elle joue en ce moment contre Mademoiselle Kelesi. Erreur de l'arbitre car la balle a traversé le filet. Elle n'est pas nette. C'est donc une faute. Aïe, 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 aïe. 0-40 sur deux balles faciles pourtant pour Henri Lecomte, même dans le point précédent. Trop de précipitation.
Il le sent d'ailleurs, Henri, il va dans le fond du cours, il va se calmer, il respire. Il sait qu'il faut qu'il se ressaisisse. Voilà, très bien, il fait un exercice de respiration. Mais là, 0-40, alors qu'il mène 2-1, c'était le moment de faire la différence. 3 balles d'égalisation à 2 partout pour Boris Becker, qui a remis son pull vert depuis 2 jeux. C'est vrai qu'il fait frisqueton ici, sur le central. Totalement lâché ce quatrième jeu de la cinquième manche. Dommage qu'il l'ait perdu comme ça, car il avait acquis un avantage considérable en ravissant son service à Becker au premier jeu. Il l'a reperdu, rien n'est perdu, mais cela donne confiance à l'Allemand. Il était un peu atteint en début du set. Il faut en profiter, il faut maintenir la tête sous l'eau de son adversaire quand c'est possible. Elle est faute. John McEnroe, qui sait maintenant que son match a été reporté, il jouera demain. Il a le sourire. Un jeu blanc, 3-2 pour Boris Becker dans le cinquième set. Becker mène par 3-2. Il est certain que la confiance est actuellement du côté de Boris Becker. Mais Henri Lecomte est capable de retournements tout à fait spectaculaires. Il n'a pas encore concédé qu'elle va être bien faite cette balle, bien glissée, tout croisé. Voilà. Il avait pris le service de Becker au premier jeu, il a perdu le sien. Oui, Becker qui a aligné 3 jeux d'affilée pour prendre l'avantage maintenant, 3-2. Et là, Henri Lecomte doit tout de même se poser pas mal de questions. Oui, il n'a pas bien joué les deux derniers jeux, c'est sûr qu'il se pose des questions. C'est fou. Est-ce que c'est dû à un petit peu de fatigue physique? Becker a eu un passage lui aussi. Est-ce que c'est dû à une petite déconcentration? Les deux hommes jouent depuis 3h31 minutes. Et c'est long. 5 services perdus pour Boris Becker. 2 pour Henri Lecomte.
S'il vous plaît, mesdames, messieurs, le jeu reprend. Silence, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, les joueurs sont prêts. Beaucoup, beaucoup de bruit sur le central. S'il vous plaît. Et cela, c'est pour encourager Henri Lecomte. Encore une fois, la tactique de Boris Becker a payé. Un revers plein sur Henri Lecomte, très violent. Toujours difficile de se sortir de la trajectoire d'une balle violente. Fait de nombreuses fois maintenant dans le match qu'il y aura réussi, soit en retour de service, soit en passing shot. Bravo Henri Lecomte, parce que c'était vraiment pas facile de revenir après que Boris Becker ait pris l'avantage 3-2. Il avait aligné 3 jeux de suite, l'Allemand. Et maintenant, 3 partout. 3 jeux partout. Silence, s'il vous plaît. Le jump de Boris Becker va de mieux en mieux. Sur 5 points, il a traversé 3 fois le cours à toute vitesse comme un bolide. Et là encore, tout le monde le croit battu, y compris Henri. Il y est. Formidable jeu de jambes de Becker. C'est vrai qu'il est allé chercher cette balle tellement loin.
15 ans. Et toutes ces volées amorties étaient payantes en début de match. Maintenant, Boris Becker les anticipe mieux. Il y est. Et pas grand-chose d'autre à faire pour Henry parce qu'il était très loin de la balle sur le premier passing shot. Mais Becker anticipe à présent. Silence, s'il vous plaît. Bob Brett qui semble un peu plus confiant maintenant que une heure avant. L'émotion, la passion, c'est sur Antenne 2 en ce moment avec ce match exceptionnel entre Boris Becker et Henri Lecomte qui vient de faire le break. Il faut avoir des nerfs d'acier pour s'imposer dans un match comme celui-ci. Formidable Henri Lecomte qui, après avoir mené 2-0, s'est fait remonter, a été à son tour mené 3-2 et maintenant c'est lui qui a l'avantage. Lecomte mène par 4-3. Et la façon dont il a gagné ce jeu est très symptomatique. Henri Lecomte est allé gagner ce jeu au filet à 3 reprises sur le service de Boris Becker. C'est donc lui qui a repris l'ascendant moralement car Becker devait venir au filet pour essayer de maintenir le gain.